follicules capillaires en bon état de fonctionnement, je rappelle que leur productivité se dégrade avec l'âge. Chateaubriand est, à n'en pas douter, un homme heureux. Un tableau de Girodet le montre à 42 ans, nonchalamment appuyé sur une ruine, l'épaisse tignasse ébruchée par le vent. Clairement, le modèle narbe la ruine. Il en est tout le contraire, et il le sait. 10 ans plus tard, sur un dessin d'Hilaire-Betruc, le nom du dessinateur est tout un programme, sa tête est tout aussi splendide. Un brushing particulièrement intense semble avoir électrifié les cheveux de l'écrivain, qui évoque assez exactement ici une éruption volcanique. Un autre dessin à la mine de plomb par Delphine de Custine le représente faisant une lecture au château de Courtomer. Chateaubriand a 53 ans. Les cheveux ont été ramenés sur le front. Il existe donc malgré tout sur la tête certaines zones moins couvertes qu'on cherche à dérober à notre vue. Et il n'empêche que nous avons sous les yeux le portrait d'un homme élégant, bien conservé. L'ami de la châtelaine ne fait pas son âge. Et d'ailleurs, on le lui fait remarquer. Tous, hommes et femmes, sont sensibles à son charme. Je signale aussi, dans la même série, le tableau émouvant d'Antoine Etex à 79 ans. Chateaubriand est entièrement blanc, mais il n'est pas chauve. En fait, sa coiffure est restée la même, telle qu'on la voit sur le tableau de Girodet. Seulement, le temps l'a un peu entamé et élagué. Enfin, un cas limite, mais malgré tout rassurant, est le dessin à la plume que nous devons à Mérimée, Jacques Tasse en 1847. Il s'agit d'une caricature. Le dessinateur, malgré ses intentions railleuses, rend à sa façon hommage à la virilité et à la vitalité du vieillard. Chateaubriand est assis à sa table. Il écrit. Cette fois, il est bel et bien chauve. Pourtant, des deux côtés du front surgissent comme deux ailes qui sont en fait ses tempes chevelues. Le grand homme est une sorte d'oiseau inquiétant, on peut dire un phénix. Grâce à la couronne naturelle qui le distingue et le protège, il ne mourra point. D'ores et déjà, il est immortel. Tout petit aperçu du style savoureux de Franck, mais celui-ci n'échappera pas à mes questions. Donc, premièrement, pourquoi avoir décidé de travailler sur Chateaubriand, ou plutôt, pourquoi avoir décidé de s'en prendre à Chateaubriand? Est-ce que je peux d'abord te complimenter sur ta façon de lire, quand on est lu par Franck Salaam, mon texte est bien, il a donné l'impression que c'est un bon texte, mais c'est parce qu'il a été très bien lu. Et si vous avez lu moi, par exemple, ça aurait été moins bien. Donc, merci de me lire si bien. Alors, ce Chateaubriand, en fait, c'est très simple. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce livre? Parce que j'ai voulu rappeler aux lecteurs que c'est très, très bien, Chateaubriand. Les gens ne le savent plus.